qui est un cinéma pédagogique. C'est un cinéma qui veut apprendre aux spectateurs à regarder le monde, à regarder le monde qui change, à se poser des questions avec humour si possible, sur sa propre situation, sur les désastres qui l'entourent, sur comment les résoudre, apprendre à dire c'est pas grave si je passe un moment difficile dans mon travail ou dans mes amours. Et au fond, il y a une espèce de bienveillance qui est très importante et dont on a besoin. C'est toujours l'exigence et la proximité, la plus haute exigence artistique et la plus grande proximité pour accéder et toucher chacun. On a fondé le film de mon oncle et on l'a fondé avec Macha Makayev et on l'a fait avec optimisme. C'est-à-dire en se disant, c'est pas la tristesse, c'est pas la fin du monde, c'est le contraire. Il faut qu'on soit conquérant et qu'on. Maintenant qu'on est convaincu que c'est un cinéma visionnaire dont tout le monde a besoin, il faut le faire savoir, il faut le faire partager. On a fondé les films de mon oncle avec Jérôme et Sophie Tatichev parce que les films étaient en danger. Quand on a vu les bobines de Playtime qui se délitaient, qui se cassaient, quand on a vu les autres qui disparaissaient, il a fallu, voilà, c'était comme une nécessité, une urgence, sauver cette œuvre immense.